Salut à tous les amis et bienvenue dans la ville d'Omega Corp, la ville qui appartient entièrement à une entreprise, c'est la ville du futur gouvernée par Google ou par Apple ou par Samsung. Vous mettez le nom de votre marque favorite ou détestée. Ouh, il était sympa cet angle de vue. Celui-là moins. Votre marque favorite ou détestée. Voilà, on se retrouve sur SimCity 5 aujourd'hui. Dans la ville d'Omega, on ne veut pas en savoir plus sur les drones. Je pense qu'on va réussir à comprendre tout seul. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment... On voit bien la différence de design entre les deux villes. Et je trouve que sur la... Bon, là, il fait nuit, donc ça se voit moins, mais c'est assez sympa de voir les différences de design des deux villes. C'est très sympa. Alors, on peut maintenant produire ici du contrôle net. Ça augmente la valeur du terrain, richesse élevée. On va tenter de voir ce que ça fait. Parce que ça nous permettrait de produire du contrôle net ici. Maintenant, on a plein disponibles dans la région, donc c'est pas forcément utile. On a 13 000 disponibles dans la région, donc on va peut-être s'en passer pour le moment. De la même manière, je peux envoyer des camions franchisés. Enfin, je pourrais, mais je n'en produis pas encore. Comment je fais pour en produire? Ça doit être avec le siège de Megacorp, je suppose. Ça doit être ça, ouais, commerce régional d'Omegaco, donc c'est la division de commerce. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore le faire. La dernière fois, je vous rappelle, on avait commencé à produire des drones. Alors vous voyez que les processeurs arrivent. On a produit deux hier, donc c'est pas brillant, brillant. Mais plus on va recevoir de pros, plus ce sera pratique et on pourra les distribuer ensuite à la ville et donc augmenter nos revenus. Là, on est à 37 000, à 15 000. Pardon, sur les 25 000 qu'il nous faut pour pouvoir augmenter encore. Vous voyez là, je pense qu'on est en train de distribuer des drones ici. L'objectif aujourd'hui, ça va être d'augmenter un petit peu notre méga tour. On pourrait mettre un niveau de sécurité. Ou un niveau de parc. Tiens, ce serait sympa de... On va mettre un niveau de sécurité. Puisqu'on peut se le permettre, hop là. Donc ça peut être sympa, ce qui nous permettra de éventuellement de nous passer d'un commissariat, puisque c'était comme ça, c'est une nouveauté. Donc en fait, c'est des drones, hein, si j'ai bien lu, qui vont se charger de la sécurité. On construira certainement un niveau d'appartement par-dessus, puisque au niveau du RSI, c'est ce qu'on nous demande. Demande de boutique, ouais, on a aussi une demande de boutique moyenne, donc pourquoi pas. Ça peut être sympa d'avoir ça. Ouais, c'est rigolo, c'est méga tour. Les gens sont plutôt contents, en tout cas, j'ai quand même des bâtiments abandonnés, c'est toujours à cause de la valeur du terrain. Tout ça, c'est des choses oméga, hein. Ouais. Niveau de sécurité, voilà. Ah, ça consomme des drones. Voilà, ça consomme des drones à chaque fois. Donc ouais, donc c'est d'accord. Oh, c'est sympa. Ça consomme des drones, je suppose, pour résoudre les crimes, la police. Pour l'instant, je vais garder mes services parce que je peux me le permettre, tout simplement. J'ai peut-être rajouté un petit truc comme ça aussi parce qu'on est tout juste au niveau de l'eau. Et au niveau du traitement des déchets, pas assez de contrôlettes. Ah, d'accord. Et ben là, écoutez, pour le coup, si, c'est bon. 12 000 dans la région, voilà, c'est bon. Ça s'est mis à jour. Ouh. J'ai eu un succès, j'ai pas du tout fait gaffe. Bon, les processeurs, il faudrait vraiment qu'on. C'est pas très efficace cette importation. J'avais déjà remarqué ça la dernière fois. C'est moyen efficace. Classpen, ouais, t'es gentil, mais. Parce que là, il manque de. Ouais, les livraisons sont lentes. Il y a du commerce. Si, c'est là. Voilà, en activité. Ouais, ça arrive 1000 caisses par 1000 caisses, c'est pas beaucoup. Faut
faudrait qu'on puisse en... Faudrait que je fasse des entrepôts plus spécialisés, qui soient spécialisés dans... Parce que là, à mon avis, on perd en efficacité. On a déjà produit... Ouais, on va voir. Si on arrive à produire 96 drones par jour, ce sera déjà pas mal. Puis éventuellement, si c'est pas le cas, je ferai un entrepôt avec... juste minerai, un entrepôt avec juste... Je diviserai plus les tâches entre mes entrepôts. Oh, c'est beaucoup quoi. Hop, on va rembourser ça, tiens, puisqu'on a l'argent. Hop. Ça pèsera déjà un petit peu moins sur nos transactions. Bon, qui sont blindées, hein, forcément, avec les processeurs 73 000 à chaque fois. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ça nous rapporte pas mal Omega en même temps. Hein, donc tant qu'on est dans le vert ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Cool, cool, cool. Niveau de sécurité. Un revenu aujourd'hui, tiens. Ça coûte de l'argent. Je vais peut-être me mettre à un niveau de centre commercial. De quoi on a besoin? Centre commercial moyen. Ouais. Écoutez, on va se rajouter ça. Ça fait bizarre avec le niveau de sécurité comme ça. Bon, on va se rajouter ça au niveau 2. Voilà. Enfin, au niveau de centre commercial, au niveau 3. Voilà. Ce qui rend tout le monde content. Et puis, je vous rappelle, je garde le niveau 5 parce que à tous les niveaux 5, je veux faire sur toutes mes méga tours le. Comment? L'anneau de communication là pour pouvoir les relier entre elles. Faudra juste que je le développe à l'académie plus tard. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore développé. De toute façon, là, je vais déjà construire déjà au moins une ou deux méga tours dans chaque ville. J'ai encore de la place ici pour en construire une. Il y a encore de la place ici. Il y a de la place là. Bon, je sais pas si j'en construirai 8, mais je vais essayer d'en construire quelques-unes en tout cas. Je sais pas trop si je vais les mélanger. L'oméga risque pour la santé, mais non, pas du tout. Tac-tac. Hop. On va s'adjoindre ça. Puis voilà, peut-être que je pense à un hôpital. Un grand hôpital. Y a pas un niveau de soins, ce serait cool ça. Réacteur nucléaire, réduction de déchets, garde de pension. Voilà, c'est ça que je veux. Couronne, solaire. Après, il faudra que je crée une université. Mais ça, je vous avais dit que je le ferais certainement dans une autre ville pour pouvoir développer les panneaux solaires, des choses comme ça. J'essaierai peut-être d'autres choses. Tiens, on va peut-être. On verra bien, on verra bien. C'est assez sympa là. Putain. 96 tonnes de minerai, c'est pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas. Puis ça descend vachement vite quand même. Je pense que la prochaine chose qu'on prendra, c'est vraiment le truc des extracteurs pour avoir une bien chose. Et là, il va vraiment nous falloir un hôpital parce qu'on commence à avoir des sacrés problèmes de santé. Ouais, avec les usines et tout. Ouais. Niveau de germes, tiens, on va regarder un petit peu les germes. Ouais, c'est à cause de la pollution, hein, effectivement. Pollution de l'eau, pollution des sols. Pollution de l'air qui est énorme. Pollution du sol qui est pas mal aussi. On a quelque chose hein, qu'on pourra développer plus tard. Arrache-chausse moyen nécessaire. Ouais, on va faire ça aussi. Voilà, très rapidement. Au niveau 4, c'était niveau d'appartement à richesse moyen. C'est ce que je voulais faire juste après. Au niveau 4 de cette méga tour, pour rentabiliser un petit peu ma demande de boutique là. Elle monte assez vite hein, du coup, puisqu'elle coûte beaucoup moins cher. Et bah, on construira une autre peut-être dans cet épisode-là aussi, je ne sais pas, on verra bien. C'est assez sympa. Bien que je préfère le design des autres, ça même me fait penser un petit peu à ce qu'on peut avoir dans Star Wars sur Coruscant, les trucs avec les trucs comme ça fait un petit peu ce genre de tour-là, c'est sympa, ça brille de partout. C'est un petit peu m'as-tu vu. Mais c'est vraiment sympa niveau design. 15 000, ouais, on n'a toujours pas... qu'est-ce qu'on en est avec notre distribution de drones? Ouais, on gagne 1008. Ah non, ce serait intéressant d'aller franchiser un petit peu l'autre côté aussi. Donc, tiens, on a des choses qui viennent là.
Des employés qui viennent. Des consommateurs qui viennent. Ouais. Pas de marchandises, pas d'échange de marchandises. Tiens, c'est bizarre ça, attendez. Commande non satisfaite. 381 et 117. Oh, ça va, ça va, ça va. Je m'attendais à quelque chose de bien pire au niveau des commandes. Ouais, l'hôpital, ça va vraiment être la prochaine priorité. On n'a pas de mort en même temps, hein, donc c'est que c'est pas si terrible. Mais là, vous voyez que ma clinique est pleine, donc ouais, on va aller directement chercher un hôpital. Et on va se faire un ministère de transport, il y est. Donc on avait dit de l'éducation. Qu'on va placer ici. Paf. Et on va devoir se faire un système de transport en commun assez rapidement. Donc, alors, parce que là on commence à être un petit peu débordé. Donc, je vais... Pour les biens de la vidéo, me prendre un emprunt. C'est 120 000, hein, c'est ça le... L'hôpital, on va le construire, on va construire un hôpital parce que là... ça risque d'être un petit peu chaud autrement. Et on va, ouais, on va vite se faire un système de transport. Sinon, on va vite se retrouver paralysé. Parce que là, vous voyez qu'on commence à avoir de gros problèmes de transport. Donc, on va vite se faire des transports en commun. Sinon, on va se retrouver très vite paralysé. Comme ma ville a besoin en plus des importations d'Oméga, etc. pour fonctionner correctement. Ça va devenir vite problématique. 19 000, ouais, c'est cool. 100K. Oh, excusez-moi. Ah. Hôpital, on va le faire. On va le faire où? Où est-ce qu'on peut le faire cet hôpital? On va le faire ici. Ouais. Hop là. On va se débarrasser de ça. Voilà. Tac. Et on va direct... Ouh, hangar à Medidrone. Ça c'est sympa. On va lui adjoindre du coup ça directement. Son couverture Medidrone lorsqu'ils arrivent dans le hangar. Mes dons volent au secours des Sims essais mais ne peuvent pas soigner les Sims malades. Mes dons sont jetés après chaque utilisation pour éviter toute contamination. Ok. On va mettre quand même quelques... Ok, vraies ambulances, j'ai plus assez de simflouz. T'en restes avant la mort, et moi ce qui m'intéresse c'est... Service sanitaire, voilà. Dès que j'aurai de l'argent à nouveau, hop. Oui bah c'est bon, pourquoi tu clignotes alors? Dès que j'aurai de l'argent à nouveau... 5 Medidrone, donc ça c'est pas mal. On peut en mettre 2. C'est 40 000 le service sanitaire, ok. Et l'éducation, on peut mettre le lycée, ouais. Je sais pas si ça a vraiment un intérêt dans cette ville. Méga tour, cool. Faire les processus. Oui, bah ce serait bien que tu embauches un petit peu plus vite là. C'est bon, il soigne un patient. Et donc je vais mettre directement un camion de service sanitaire. S'il te plaît. On va mettre ici. Je vais mettre, hop, des ambulances, c'est 15 000, j'en ai plus assez. Voilà, c'est pas grave. Ça va le faire. Et la deuxième étape, voilà, c'est le service. On a quand même un bon niveau d'éducation hein, au final. C'est pas si mauvais. Du coup, je sais pas où est-ce qu'on en est la criminalité. Ça m'intéresserait de le savoir. Ouais, on a une bonne. Je pensais que je peux me débarrasser de ça. Criminel arrêté, réinséré un par jour. Elle est pas rentable, ma tour. C'est embêtant ça.
C'est très embêtant. Elle est même pas rentable du tout. On verra ça plus tard. Méga tour. Ouais, elle est pas rentable de pas beaucoup. Hein. Donc ça va. Si elle est rentable un petit peu. Si, si, bah elle me dit n'importe quoi alors. Elle est rentable. C'est juste qu'elle elle a un revenu. Ouais. Ok, d'accord. Je parle tout seul, je suis désolé. Niveau d'éducation, niveau de sécurité. On pourrait mettre un niveau d'éducation plus tard. Bon, on le mettra plus tard. On le mettra plus tard. Service de transport en commun, c'est ça qu'il me fallait. Donc, on va être moderne. Où est-ce que ça se trouve? Transport en commun, voilà. On va commencer par un tram. Ouais, non, mais c'est pour. Voilà, il rentre pas. Ah oui, il faut effectivement d'abord transformer tout ça en rail de tram. Défense automatisée. Cool, super. Hop. Je vais faire un tram d'abord, et puis... Parce que j'aime bien les trams, mine de rien. Et comme c'est censé être un petit peu RP, comme c'est censé être une ville un petit peu plus... plus pauvre, on va dire que le train magnétique arrive plus tard. Pas assez de Simflouz, purée. Combien ce truc? 30 000, voilà. Hop, bam, assez de Simflouz. Comme le train coûte... le train magnétique est censé coûter plus cher ou être plus avancé, ben on va dire qu'ils l'auront un peu plus tard. Voilà. Moi, je trouve ça sympa. Alors, on va mettre un arrêt ici, un arrêt là, et un arrêt là pour le moment. Ce serait la première ligne de tram. Je sais que normalement, on commence par les bus et tout, mais vous voyez le fric que je me fais. J'ai pas forcément besoin des bus, tout le tralala, tout de suite, tout de suite. Hop. 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 On va aller jusqu'aux usines, hein, tout simplement. Ouais, là, ça coûtait un petit peu trop cher pour le moment. Et... on verra ça, le problème. Bon, j'ai bien vu le petit indicateur qui me disait « Attention, tu as un problème, mais... » J'en mettrai un là quand j'aurai... Bah là, j'ai. Voilà, super. Tac. Paf. Ce qui permettra de... Là, ça va coûter bien cher aussi. Wouhou! Bam! Bam! Voilà, ce qui nous permettra d'avoir le trajet complet, si on veut. Hop, je peux te mettre un arrêt ici. C'est pour les gens qui habitent là. Ça peut être sympa, super! Ça, on a un petit périph' de tram. Le problème du tram, c'est qu'il passe pas sur les petites avenues comme ça. Mais regardez, déjà, ça a bien... bien désengorger les choses, hein. C'est sympa. Éducation. Classe pleine. Ah ouais, mais ça me saoule, ça. Hein. Il nous faut plus de consommateurs pour être rentable. Alors, je vais peut-être créer aussi des logements. Hein. Ça peut être intéressant, même des logements simples. Tac, tac, tac. Parc. Vraiment, ici on aura de la densité, voilà. Ce qu'il faut comme. Comme gens. Où est-ce qu'on en est avec nos revenus? 19 000, ah, pas encore suffisamment. Donc il faut quand même qu'on franchise un petit peu plus. Pas assez de place pour monter la densité. Ouais, ouais, ouais. Faut que je construise peut-être plus d'usines. En même temps, là on a vraiment pas besoin d'usines. Il n'y a aucune demande industrielle, donc c'est pas une solution. On va plutôt construire de nouveaux quartiers. Simplement reconstruire une méga tour. Parce que pour maintenant, maintenant qu'on a les fonds, qu'on a la place.
Ouais, on peut envoyer deux, allez, c'est parti. Donc on a les fonds et la place. Ce sera aussi bien. Ouais, donc eux, ils sont pas rentables en fait. Super, super pas cool. C'est super pas cool. Méga tour numéro 2 du coup. Produisent pas assez d'oméga. Pourtant là on est bon quand même. Hein. J'hésite à reconstruire une autre usine oméga. Mais j'ai peur qu'on soit trop léger en matière première, hein, clairement. Mise 12 mois d'extraction. Je veux pas. Il va me falloir un deuxième entrepôt, mais est-ce que j'ai assez de fonds pour financer toutes ces importations? Parce que l'on est quand même à 200. C'est compliqué tout ça. On a quand même une transaction mensuelle assez importante. Bon, il y a des petits retards, mais c'est pas non plus trop trop grave. Et je pense que c'est surtout dû au trafic de la ville qui a quand même un petit peu de mal, hein, surtout ici. Je sais pas trop ce que je peux faire. Là, vous allez crier, genre ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a rien qui passera là. Non. Cet axe-là est très important. Il en faudrait un autre qui arrive plus ou moins au même endroit. Ah mais j'ai des bâtiments placés, ça ne passera pas ça. C'est dommage qu'on puisse pas faire des connexions avec les ponts. Ça c'est. Ce serait vraiment classe de pouvoir, vous voyez par exemple ici, faire une intersection de ponts. Ce serait vraiment sympa. Bon. 120 000. Avec de bureaux. Profiter d'employés, emploi à profusion. Profiter d'acheteurs, population massive, plus d'acheteurs, plus d'employés. Compléter un. Centre commercial, commencer par du shopping. Et ça, c'est pour des emplois. Mais j'ai pas besoin d'emploi, c'est ça. Hein, j'ai pas de chômage, moi. Ouh, j'ai plus de souris. Ah, c'est pas cool, ça. Je ne vois plus ma souris. Super. Bah écoutez. Génial. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Bon, bah écoutez. Ils ont même rajouté. Eh, vous avez vu qu'ils ont rajouté un onglet dans le menu signaler bug. Ah non, ils sont vraiment très forts, ces Electronic Arts. Ok, super. Voilà. Donc, je sais pas si vous ne voyez que je n'ai plus de souris, mais moi, je n'ai plus de souris. Donc, bah écoutez. De toute façon, ça va être le moment de terminer l'épisode. Ça tombe bien, mais voilà, merci Electronic Arts, je vais peut-être cliquer sur signaler bug. Et j'arrive sur Origin, voilà, super. J'ai peut-être récupéré ma souris du coup. Non, bah non. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine, en espérant que cette vidéo vous aura plu, et puis là je vais redémarrer le jeu hein, pour continuer à tourner. Voilà, merci à vous, salut tout le monde!